Ça, c'est compliqué. Entre l'animateur qui vous cause dans le poste en vrai et en même temps dans le combiné, qu'il faut tenir de la même main que la télécommande, le mari qui crie la mauvaise réponse, les gosses qui hurlent, le chien qui aboie et la caravane qui passe au rouge, c'est la maxi-pression. Puis-je connaître votre prénom, chère madame ? Madame G. En deux mots ? En deux mots ? En deux mots, madame G. Oui. Mais votre prénom lui-même est ? Gisèle. Gisèle. Ouais. Très bien. Gisèle, vous êtes toute seule à la maison, là ? Oui, enfin... D'accord. Faites quoi dans la vie, Gisèle ? Je suis papetière. Papetière ? Ah, elle est pas peu fière, la papetière. Oui, dans l'imprimerie. D'accord. Vous êtes à table, là ? Non, j'ai fini. D'accord. Vous avez fini de manger ou vous avez fini... Non, j'ai fini de manger. D'accord. Mission impossible, un cigare, un insigne de police, un c'est pas... Bougez pas, j'ai posé ma question. Vous connaissez le Big Deal ? Oui. D'accord. Vous le regardez de temps en temps ? Presque tout le temps. D'accord. Eh bien, écoutez, la question, elle est... Moi, je dis, elle est béton, celle-là, vous voyez Oui. Il y a des fois, il y a des trucs qui vous arrivent dans la vie, là ! Eh ben là, on est en plein dedans ! Oui. Puis c'est moi qui dois assurer. Qu'est-ce que vous aimez... Vous allez m'annoncer, là. Bougez pas, Gisèle, je m'occupe de tout. Gisèle, avez-vous un papier, un crayon ? Un papier, un crayon, ouais, oui. Mettez-vous derrière le papier et prenez le crayon et notez. Oui. Quelle est la particularité d'un visage rubicon ? Vous nous êtes fidèles chaque midi ? Oui, tous les jours. Je vous regarde tous les jours. Vous êtes notre passe-temps quand on mange. En ce moment-là, par exemple, je me lèche les doigts, vous voyez ? Vous avez le temps de la pub pour trouver la réponse. On se retrouve après et vous gagnerez peut-être 5000 francs. Alors, quelle est la... Particularité. Quelle est la particularité? Oui. Quelle est la particularité? Ouais. Oui. Oui. Hein? Quelle est la particularité? La plutôt... Quelle est la particularité d'un visage... Rubicon. C'est une blague ou quoi? Non, non. Ah non, non, Gisèle. Gisèle, je plaisante pas. Je vous... Posez votre bière, Gisèle. Non, mais j'en ai pas. Apparemment, non. Gisèle. Oui. La question est toute simple. Quelle est la particularité d'un visage Rubicon? Si vous pouvez me donner la réponse après la pub, vous gagnez 5000 francs. OK, Gisèle? Oh, ouais. D'accord. Cherchons le nom de la Joconde et vous me dites, mon cher Frédéric. Monique. Frédéric, excusez-moi, hein, mais il y a un moment donné dans la vie où j'ai du mal à me retenir de rire. Et là, franchement, me faire ça à la fin de l'émission, c'est pas très sympa. Il ne s'agissait pas de Monique. Excusez-moi, mais vraiment, là, je peux plus. Gaston, accompagné dans la vie ou pas ? Non. Ah ? Non. Ah, rien du tout ? Non, rien du tout. Du tout. Quand, bah, Anthony n'est pas accompagné non plus. Oui, c'est ce que je sais, oui. Un petit on message. On pourrait donner nos coordonnées. Rubicon. Voilà. Ah, voilà. Qui c'est cette affaire? J'étais pas tout... J'avais pas toujours trouvé, moi. Ah bon? Ben non, mais j'avais dit Bicon, moi. Ah ben ouais. Ah ben ouais. Bon, Gisèle, faut y aller maintenant. Là, je suis obligé d'interrompre cette récréation. Bon, est-ce que vous avez la réponse? Et la gaffe. Petite Rivière. Pardon? Petite Rivière. J'appelle à faire un compris. Une petite rivière. Ah, une petite rivière! Eh oui, eh non. Non. Non, c'est pas ça. C'est pas une petite rivière. Alors, c'est quoi alors? Eh ben, ouais. Alors, je vais vous donner la réponse. Oui. Puis si je suis obligé. La réponse était... Quel un est... cheval noir, qui me dit mon fils. Pardon? Un cheval noir. Oui.
Normalement, dans quelques secondes, il y a un éléphant rose qui passe. C'est déjà l'animateur en rose. Un visage Rubicon, c'est un visage qui est rouge. Oh. Eh ouais. Gisèle, je vous souhaite une excellente soirée. On a passé un très bon moment avec vous. Formidable. Embrassez votre fils pour nous et à bientôt. Au revoir, Gisèle. Au revoir.